de se lancer dans un concept album autour d'une ville. Au moins rien laissé au hasard. Si l'on se fourvoie dans du gadget, alors c'est sûr, t'en vendras des galettes. Mais c'est creux, c'est le néant. Avec une initie documentaire, tu rentres dans ta ville. Ici, comptard sur misère. Par la sociologie, par la psychologie. Avec un point d'appui, la presse locale. Ici, le dauphiné libéré. Quintessence du rien, touche à dos crypto-libéral. Pour remplir ma mission, j'individualise la ville. Avec ses quartiers, ses clans, ses ressources économiques et ses notables. Pour comprendre, il faudra planter le décor. Bien sentir l'anatomie de la ville, battre sous nos doigts. Photographier les crises, les enthousiasmes, puis les écroulements. Et les derniers hivers. Comptard sur misère, 233 000 habitants. Tous les ans, il faut aller conduire le vrai ville pendant une semaine. Je regarde des combes, Léopold Nord et vif. Les trous ducs de la télé-réalité étalent, s'enchaînent les podiums. Cette foire est décrite en 1930 pour sauver l'industrie de la chaussure qui se cassait la gueule la première fois. Ici, il y a eu un sauveur libéral. Là-bas, plus loin, ils avaient la farge et la cimenterie. Ici, c'est charpentant. Avec ses pompes de luxe, il s'est bien fait du blé. Puis il a commencé à licencier. Depuis, dans ma ville, ses chômages de masse attrape couillon, garde GB. La grande agro, narco-avenue, 2084. Le capitalisme est co-responsable. Les prêts toxiques, moins de structures publiques, moins des endettements efficaces. Selon les affaires de la Cour des comptes, s'attendent des partenariats avec des villes chinoises de 3 millions d'habitants. C'est complètement con ce parrainage. Y'a pas un Pékin en ville. C'est complètement con ce parrainage. Y'a pas un Pékin en ville. Non. Y'a pas un Pékin en ville. Pour faire une chanson qui rentre dans toutes les raisons. Pour faire une chanson. Pour pas lire la fiche Wikipédia de Gondard sur misère. Pour faire une chanson. Ça rend fou, eh, ça rend con. Pour faire une chanson. Je dois planter le décor. Alors je plante le décor. Je ne fais pas moi qui le fera. Élie de Préto, Jean-Paul Belmondo. Non. Je ne fais pas moi qui le fera. Sûrement pas eux. Alors ouais, c'est difficile. C'est ingrat. Mais tout est différent. En 2029, tout est différent. En 2029, tout est différent. On avance sur des branches. Oh. Bonsoir la maroquinerie. Ouais, merci. On est un peu les outsiders de la soirée, nous. Hein. Les vrais prolos, c'est nous, hein. Faut pas se tromper, les amis. Hein. On est là. Personne compte vraiment sur nous. On est obligé de se déguiser, beaucoup boire, tout ça pour assurer. Voilà. Mais nous aussi, on est fascinés par Paris, et surtout par les intermondialistes de droite. Il y en a plein à Paris, des intermondialistes de droite. Et en 2029, il y en a encore plus, même à Gontard-sur-Misère. On va vous parler d'un mec qui vend des jeans. Il s'appelle Kevin Malaise. C'est un vrai connard. Sans sa pointeuse, le travail c'est comme une dose. Tu vas dedans, tu sais pas toujours pourquoi. Puis quand ça s'arrête, ça fait tout drôle. Mon père, à 50 ans, ses petits derniers prenaient la mission au gars tous les lundis matin. Sur la chaîne, c'était le meilleur, les plus belles pièces, les meilleurs rythmes. Il paraît qu'il y a un nouveau sauveur, le verra dans l'île. Il s'appelle Kevin Malaise, il fait des jeans et des chaussures et vos conçus. Si mon père a du job, voilà qu'il aille chez coiffeur et qu'il aille au marché d'acheter des fringues. Les gens sont beaux dans les nouvelles boîtes. Lui, les années de chômage n'ont pas arrangé. Y'a des filles qui ferment, que fera papa sur sa pointeuse. Y'a des filles qui ferment, que vit de malaise, qui fait les jeans. Y'a des filles qui ferment, que fera papa sur sa pointeuse. Y'a des filles qui ferment, que vit de malaise, qui fait les jeans. La boîte 2084, pour essayer d'optimiser au mieux, ils sont passés 15 jours par les entrepôts d'Amazon en Saône-et-Loire.
Faut prendre des bonnes idées partout, mes amis, hein. Surtout à droite. Je ne sais pas si être délégué du personnel, je suis 2084. Ou c'est pas la peine de me dans les nouvelles start-up. Ce que je sais, c'est qu'au début, on prenait que j'ai vu pour un alternatiste. Limite adepte de la décroissance. Ce que je sais aussi, c'est que maintenant que j'ai vu, il passe beaucoup de temps dans le bureau de la mer. Qui veut faire une start-up d'enfer de sa ville? Elle vend même des chapelles décentralisées pour faire des espaces de coworking. Mais quelle connasse! Quelle idée ouverte, tu feras pas peur sur sa pointeuse. Il y a une ville qui ferme, Kevin Malaise, qui fait des jeans, tout va bien alors. Kevin Malaise, il fait des jeans, tout va bien alors. Avec Kevin Malaise. Merci. Un gros bisou à Vincha, présent ce soir, à qui ben, j'ai le plaisir d'écrire le single qui vient de passer sur les antennes. Ça pue la merde, hein. Je sais pas si c'est le fait d'être en robe, donc je suis plus près de mes parties intimes. Non, ça pue globalement la merde. Le morceau qui suit part de ça. Il s'appelle La main tiède de la violence. Il y a toujours un dans ce pays qui fout des jetons. Mort la sainte qui est en toi, mon amour. Split tête et gadgets, les gens ont un prix, la solitude aussi. Mort la flic qui est en toi, mon amour. Je ne crois plus qu'en l'ordre des choses et je crains ce que je veux. Mort la banquière qui est en toi, mon amour. Il faudra repartir à zéro comme la bonne épouse d'un petit brillant du rock. Assez d'églises, de mosquées, de cars de flics et de distributeurs. N'avons-nous rien à créer? Es-tu libre ce soir? Prenons la tête de notre classe agonisante. Prenons les tiennes, dernier signe de tout ce temps. Envahissons les train-train théâtre. Qui dort, ne sens pas la rancœur, ne sens pas la danseur. Prends ma chanson comme initiative. Il est mort, il faut qu'on tue. Embrasse-moi comme si tu me disais merde. La mort aux dents, une langue qui les fouraille pour une vie profonde. Bravo, Clément Michel.
Il aime Pierre Bachelet et la saucisse de Francfort. Bravo! Noël Belmondo, il déteste les Spritz et il aime l'Allemagne. Et Mordini, il est né à Bourg-et-Valence. Et tous les vendredis, il va manger dans un resto portugais sur le bord de... Il y a la médiathèque, tu vois, et à côté, il y a un camion qui vend des spécialités portugaises. Et lui, tout le monde, il va mettre sa nana là-bas. On lui dit, tu sais, des fois, peut-être, tu pourrais trouver plus envie de vivre. Voilà, d'accord. On a eu beaucoup de morts cette semaine. Le Marquis de Sade, Daniel Johnston, Balkany. Une pensée pour eux. La variété est là aussi pour vous, les gars. Écoutez Gontard dans vos prisons, dans votre paradis. Je suis chanteur de variété. Je traîne mes guêtres depuis des années. Dans les coulisses, des bureaux, du cabaret et des studios. Parce que le succès m'a oublié. Je ne suis rien dans ce métier. Les femmes, les photos et l'argent, pour moi ça ressemble à du vent. Découvert presque 100 fois et oublié plus de 1000 fois. De gros mes secrets paternels m'ont dit mon art fait presque brel. Des directeurs artistiques m'ont parlé de millions de disques. C'est l'excellence du projet. Black Bay, finalement, on se rend compte, des mecs super. Bon feeling, je vais écouter comme vous. Puis après, c'est Sodebo, autoroute et l'usine dès demain matin. Bisous, à bientôt. Vous êtes super sympa malgré la grève et tout. Pas aigri par BFM et tout. On vous adore, les chouchous. On fait des accords, vous pouvez les acheter, on va bien faire merch, mais au cul du camion, pas cher, t-shirt, badge, allez, et on y va. C'est pour Jean-Luc Le Guénia, le texte que j'y suis, un texte de lui, en partie. Yeah.
suis un sale des fichus veux. Il y a des gens que cela risque de rendre nerveux. Et si j'ai beaucoup d'ennemis dont visiblement tu fais partie, j'ai aussi beaucoup d'amis, pas risquer leur vie pour moi ou risquer les vies d'autrui. Tu seras mort avant même d'avoir levé la main sur moi. Et dans l'atroce souffrance, cela va de soi. Ainsi, je te laisse toujours le choix. Si tu es prêt à tout sacrifier juste pour ton honneur, c'est bien, mais ce sera pour du beurre. Ouais, pour du beurre. Moi, j'ai respiré toujours, pour ainsi dire, tu ne respireras plus qu'aller au fond de l'océan, où tu seras accompagné à tes chefs, et à tes amis, et à tous les membres de ta famille. Et ainsi, non seulement tu ne m'auras pas tué, mais tu me permettras de manger pendant quelques jours seulement, il faudrait quand même pas que tu prennes la grosse tête, quoique ainsi, elle sera plus facile à viser par mes tireurs d'élite, planqués sur les toits du monde. Intimidation, mon grand. Intimidation, mon grand. Je t'intimide, tu m'intimides. On est planqué, ouais, sur les toits du monde. Je te regarde vivre, tu me regardes vivre. Mais combien de temps cela va-t-il pouvoir durer? Combien de temps? Combien de temps? J'ai cru, j'ai cru, nous avons cru, rien à perdre. Quand on en dise, une occasion manquée ne se retrouve jamais. La révolution, vas-y, rentre les dedans. Pète sur le petit ventre, tu verras, c'est soit vide, soit tout mou dedans. Prolétaires de tous les pays, caressez-vous et cassez-vous. N'attendez plus le grand soir et le recant de cette restons. La révolution est une salope qui en a consumé les hommes. Apoplexie du cul, toujours un poil d'esprit. Comme ces grands monarques qui avaient tout le monde au casse-pique. La révolution, elle est inhumaine, elle nous dit comment quand on va perdre. Puis elle est de loi 106 à faire tourner des tours comicaux. La révolution nous dit prends froid, ne prends pas froid, et Inch'Allah. La révolution est une salope. Et pourtant, vous, nous avons tout perdu.
le monde était libre, le cœur serait libre. Et les organes sont dégueulasses, mais les organes sont fiers. Mais les organes sont dégueulasses, et nos corps trop fiers. Quand je nous vois, pas de généraliste, chez nous tout est de l'ordre du particulier. J'installe le salon de jardin, il est 9h, soleil d'hiver, tout est blanc, avec un peu de bleu aussi. Moi, tout rouge dedans, je pense aux excès de la veille, aux muqueuses qui dégueulent, et à la rigueur allemande, à ce qu'on va dire de Merkel à sa mort. Souvenir de la veille, moi engourdi, muqueuse héritée, je pense au sort de la chanson dans mon pays. Au moins banalisé par les fossoyeurs de fond, je pense au sillon vinyle produit à la chaîne, depuis les bons chiffres Amazon aux USA. Je pense à cette énorme quantité de disques de merde que l'on sillonne, que l'on fige, alors qu'ils ne méritent aucune éternité. Je vais devoir les écouter tous, sillon après sillon. C'est comme lécher toutes les femmes ou sucer tous les hommes, pas vraiment au bout du jour. Pourtant, il va falloir cartonner et tout s'achève dans un risque. Tel Jésus de Nazareth, il traversa la maroquinerie. Le lendemain, des millions d'albums de Gontard furent vendus. Dans les écoles, on apprenait Sauvagerie tropicale le matin et on saluait le drapeau noir. C'est peut-être cela qui me sauvera. Les cuites, les hommes, les femmes, faire sortir la rage et tout envoyer couler. Et ne rien attendre, mes amis, ne rien attendre. Et se dire, se répéter, que tout naît et tout s'achève ce soir. T'as plus le rappel, ça, hein? T'as plus le rappel, ça, hein? Putain, s'il reste un moment pour un Hidalgo! Pardon. Si vous êtes plutôt Villani. Avec mon corps de peur et d'eau, et tous ces mélanges en solution acide, je te regarde filer au petit matin du jour. Glissement de terrain anodin à moi, j'aurais dû te dire stop, et pour la première fois depuis la nuit des temps, je ne le fis pas, ma fille. Merci pour cette belle carte du cratère de l'Etna, si merci que nous sommes parfois, des cratères bouillonnants trop pleins, ma fille. J'ai vécu de ce temps plusieurs vies, et un soufflé des portes de ce qui ne m'avait plu, si j'en avais, c'était bien normal, mais me voilà cuit, le cuir tout retourné, ma fille. Tu
es né le même jour que Buddy Holly. Je voulais juste te le dire aussi. Rassure ta sœur et dis-lui qu'on peut rire dans les cimetières. Protège ta mère, protège ta sœur. Tu es Buddy, ma fille. Convergence matérielle. Ne dis jamais le vrai, car le vraiment. Tu vois une fois, tu vois 15 fois. Et ça monte sur mobile, sur le front. Tu vois ma fille. Puis un soir, apaisé, tu lui diras papa, y'a du grain là-dedans. Ça sent la rocaille, la poudre. Avec mon corps de peur et d'eau, et tous ces mélanges en solution acide, je regarde filer au petit matin du jour. Glissement de terrain à mode à moi, je redis te dire stop. Et pour la première fois depuis la nuit des temps, je ne plie pas. Ma toute, toute petite fille, je te verrai rentrer les talons à la main un matin de juin et je me dirai comptard. Il est bien trop tard, ma fille. Des chiens qui aboient parce qu'ils pensent que le passé c'est la lèpre et qu'ils n'en partageraient même pas un bol avec leur pire ennemi. Bonsoir, à bientôt. Yeah.